Hello, bienvenue sur C0 Play to Earn, troisième vidéo de la série. Aujourd'hui, sujet explosif, on va parler de Gala. Pourquoi Gala, même si là, il vient d'exploser, il devrait nous faire encore des scores de folie. Mais on regardera quand même rapidement sa tokenomie, parce qu'il y a des choses quand même à savoir. Et ceci grâce à Walking Dead Empire. Et ça, je peux vous dire que ça peut être un énorme coup pour Gala. Et évidemment, on va regarder deux actualités aussi très importantes. La mise à jour de God's Unchained et Froyo Games. Bref, programme chargé. Si tu as envie de voir un petit peu tout ça avec les trailers qui vont avec, eh ben reste avec nous. Let's go! Alors évidemment, pour soutenir cette nouvelle chaîne YouTube, n'oublie pas de t'inscrire sur la chaîne YouTube et évidemment d'activer les cloches de notification pour recevoir nos vidéos qui vont contenir des sujets 100% play to earn, dont les actualités et évidemment nos lives 100% interactifs où on répond à tes questions, on prend tes avis en compte, donc les lives où tu es le héros. Alors je sais pas si tu connais God's Unchained, on avait fait une vidéo pour vous annoncer l'ICO, mais pas du jeu en soi, mais de l'intégration des crypto-monnaies et des NFT dans ce jeu qui existe déjà depuis un moment. Si ça te dit rien, regarde ce trailer tout de suite. Bing! Blood. Gore. Bone. Tears. These are the only currencies I accept for debts owed. Donc tu vois, un jeu de cartes qui est quand même assez avancé avec sa véritable communauté. Et donc, ils ont fait une grosse mise à jour dernièrement. Évidemment, pour continuer la promo justement de ce côté play to earn, ils avaient mis en place des événements avec des possibilités de gagner des paquets de cartes et surtout de la dernière extension. Donc très intéressant. Cependant, bah il y avait des petits tricheurs qui profitaient du système pour faire du déranking. Donc en gros, bah ils perdaient énormément de place juste avant le week-end pour évidemment affronter ensuite des adversaires beaucoup moins forts. Et donc pendant le week-end, bah, ils faisaient leur combat et ils avaient beaucoup plus de points. Et évidemment, cela les privilégiait pour avoir ces fameuses récompenses. Mais du coup, ce qu'ils ont fait, c'est que plus on est classé à un certain rang, comme le rang mythique par exemple, et maintenant, plus on a des récompenses intéressantes. Du coup, le déranking devient beaucoup moins intéressant et il vaut mieux pour les gros joueurs d'éviter justement le déranking pour avoir des super récompenses à la fin. Et cela concerne pas que le rang mythique, mais évidemment l'ensemble des rangs qui existent. Existe évidemment dans God Unchained. Il y a aussi le matchmaking qui a été revu de façon à pouvoir potentiellement faire des recherches plus larges s'il ne trouve pas de joueur au début contre qui vous pouvez jouer, ce qui permet de ne pas attendre trop longtemps à certains moments. Bref, des mises à jour qu'un certain nombre de joueurs devraient plutôt apprécier. La deuxième actualité concerne Froyo Games. Froyo Games veut en gros lancer une plateforme et une crypto-monnaie sous un système équivalent à Gala Games. D'ailleurs, Gala Games, on va en parler juste après. Donc, Froyo Games se décrit comme un métaverse multi-chaîne, BSC, Ethereum, etc. au niveau évidemment du crypto-gaming. Et donc, ils ont annoncé pour ça qu'il y aura 4 jeux qui vont rejoindre justement cette panoplie de jeux. Clostar, CryptoQuap, Mousquetaires et Jerichverse Moonland. Alors forcément, c'est pas forcément des jeux connus. Il y a clairement à ce jour beaucoup moins d'ambition qu'un Gala Games. Mais voilà, je vous mets les trailers des 3 premiers jeux que j'ai cités et ça peut vous donner une idée à l'avenir si vous êtes intéressé évidemment à entrer dans l'aventure Froyo Games. L'avantage que ça a, c'est que les modèles comme Gala Games ont beaucoup plus de chances de cartonner évidemment à l'avenir. Allez, regarde les trailers. Bing! Let's
Alors le token est assez récent, il a un peu chuté au démarrage, mais bon, vous voyez, il reprend un peu de couleur, et comme vous l'imaginez, il a encore un énorme potentiel derrière lui. Après, évidemment, il faudra qu'il attire des jeux encore plus sexy. Là, moi, je trouve que c'est encore un peu léger au niveau des jeux qui sont présentés. Après, c'est mon avis personnel. Bref, affaire à suivre, et on va passer au sujet principal. Et donc, le sujet principal, c'est évidemment Gala Games, qui nous fait une très belle montée dernièrement. On vous l'avait mis sur notre chaîne principale, C0, comme quoi c'était un des tokens où il fallait vite recharger. Il avait un énorme potentiel de repartir en pump, gagner, il vient de nous faire une folie. Alors, rentrer maintenant, évidemment, c'est rentrer sur une grosse bougie verte. Je vous le recommande pas, mais suivez le cours. La crypto de Gala Games a encore un énorme potentiel. Et cet énorme potentiel s'appelle Walking Dead Empire. Un jeu, comme vous voyez là sur les images, avec votre petit personnage, vous vous baladez. Mais il n'y a pas que ça. Vous pourrez aussi acheter des parcelles de terrain. Et vous imaginez, la parcelle de terrain, va falloir la défendre, mais va falloir vous défendre peut-être des autres. Bref, un jeu qui a officiellement la licence de Walking Dead et qui semble sacrément bien la respecter avec un jeu de très bonne qualité. D'ailleurs, pour se mettre l'eau à la bouche avant de parler du token, voici le trailer. Yes! Et donc, comme vous pouvez voir, au-delà du jeu, il y a évidemment cet aspect NFT. Il n'y en a pas énormément pour le moment, mais c'est normal, le jeu n'est pas encore sorti, il est en cours de développement. Mais il est possible d'acheter différentes parcelles à différents prix, parfois à des prix complètement fous d'ailleurs, pour obtenir un espace qui vous appartient. En revanche, aujourd'hui, je trouve ça assez curieux parce que c'est quand même relativement cher. La parcelle la moins chère étant quand même à 6 000 $ environ et la plus chère à 600 000 $. Alors, quand on va évidemment voir au niveau des parcelles, il y a quand même assez peu de ventes, il faut être honnête. La parcelle la plus chère s'est vendue une fois, il en reste évidemment 39 encore de disponibles et la parcelle la moins chère, il y en a quand même 57 qui l'ont acheté. Évidemment, tout ça, ça fait du bien au token Gala, vu qu'on achète les parcelles avec le token Gala. En revanche, je sais pas trop comment ça marche, mais les prix évoluent. Parfois ça monte, parfois ça descend. Donc évidemment, si vous êtes complètement fan et que vous pensez qu'acheter une parcelle dans ce jeu Walking Dead aura de l'avenir, bah, il faudra sacrément surveiller. Mais aujourd'hui, vu le nombre de ventes par rapport au nombre de disponibilités, aujourd'hui, il n'y a pas du tout de notion de rareté, soyons clairs. Cependant, au-delà de cet aspect que je trouve un petit peu négatif, mais ça peut changer avec le temps, on voit bien que les parcelles baissent au niveau du temps, malgré tout, ce jeu a l'air vraiment excellent. Et donc, mélanger un jeu de très grande qualité, du play to earn et une licence qui est quand même relativement connu et forcément pour un jeu de survivaliste, on a tous les ingrédients pour cartonner, et ben c'est probablement le jeu qui, à sa sortie, pourrait faire exploser le Gala. Et quand je dis exploser, c'est que je me demande si Gala peut pas rentrer dans le top 10 des crypto-monnaies. Là, on est vraiment sur du très lourd, une très grosse licence, un excellent jeu. Certes, les parcelles, il y a encore un petit souci dessus, mais vu que les prix baissent à certains moments, et c'est peut-être volontaire, peut-être qu'au final, ça va devenir du très lourd. En tout cas, voir un Gala aujourd'hui faire x10, x15, me paraît pas complètement fou. En revanche, attention, il faut qu'il le fasse assez vite, donc avec la sortie de Walking Dead Empire, car le maximum de tokens sera de 35 milliards de tokens et aujourd'hui on est à 7 milliards. Évidemment, les tokens ne vont pas être libérés du jour au lendemain, mais c'est un token qui va vivre forcément une inflation. Cependant, Gala maîtrise cette inflation, c'est ça qui est intéressant, et donc un token entre 3 et 5 dollars est complètement envisageable. Évidemment, si tu veux acheter du Gala, c'est peut-être pas au moment où je fais cette vidéo qu'il faut l'acheter, il a sacrément pump. Vérifie quand même qu'il nous prépare pas une petite
correction, bien évidemment, avant de rentrer dessus. Cependant, si tu as peur de louper la hausse, tu peux parfaitement faire un top limit, sachant que tu mettrais ton déclencheur, dans ce cas-là, un petit peu au-dessus du prix actuel. C'est pas sans risque, mais en effet, s'il n'y a pas de correctif, parce qu'on a déjà vu dans le passé, il y a là, faire des hausses de folie, ça peut te permettre de rentrer dedans en limitant le risque d'acheter maintenant alors qu'il y a un correctif potentiel ou d'acheter avant que ça pumpe dur. Bref, on n'est pas conseiller financier, c'est évidemment à toi de voir. En tout cas, quand on voit cette licence, ce jeu, clairement Gala est tout simplement au début de son aventure. Et comme potentiellement du sandbox, pour certains peut-être du Decentraland, Gala Game est pour moi une des rares crypto-monnaies dans l'univers du crypto gaming qui a une véritable capacité de rentrer dans le top 10 des crypto-monnaies dès 2022. Voilà, en tout cas, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. N'oublie pas de liker cette vidéo. Et nous, évidemment, on se retrouve dans une prochaine vidéo de C0 Play to Earn.